Si, Jésus Short, et on se retrouve pour notre nouvel épisode concernant les quêtes annexes, donc non obligatoires de Chrono Trigger, juste avant de nous lancer dans la fin du jeu, histoire de grinder quelques levels et vous montrer des trucs qui sont un peu plus rares que ce qu'on voit dans les autres playthroughs. On vient donc de finir la fabrique des robots, on vient de déposer Robot pour reprendre Lucas qui est bien plus balèze. Et nous allons retourner dans le futur à la recherche du palais solaire que je voulais vous montrer la dernière épisode, mais je me suis trompé d'île. Plein gaz, allons-y. Il faut pour cela se rendre dans le futur et trouver le palais solaire. Et non pas la caverne solaire. La cape solaire. Enfin, je sais. Donc nous sommes toujours à côté du Black Omen. Hop là, et nous on va là. Normalement c'est cette cave là. Voilà, le palais solaire. On doit activer un machin. Qu'est-ce que c'est ça? Oh putain! On va commencer par attaquer ces petites flamèches là. Contre-attaque brasier, merde. Alors faut pas taper sur celle-là. Si je tape sur celle-là, ça me fait un contre-attaque aussi. Ah mais ils font tous des contre-attaques. Peut-être une qui est pas immune ou un truc comme ça. Non. Ah. Il faut que je mette des attaques sur celle-là. Merde, il a changé. Ah merde, faut que je la retrouve maintenant. Bon, le brasier, ça va heal tout le monde, sauf notre pâle. Non, merde, c'est pas celle-là. Chier. Yes, c'était la bonne. Grosse patate quand même hein. Alors on va faire confusion sur ça, ça devrait marcher. Roulette. Alors on va dire que c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Celui du dessous alors. Yes. On va mettre voilà, petite guérison sur Jésus. Par contre, je leur mets pas beaucoup de dégâts aux flamèches là, c'est un peu chiant. Merde, si c'est bon. Yes! A roulette! Faut retrouver le truc maintenant. Non, c'est pas la bonne. Ah! Alors attends, une guérison là. Et elle va attaquer, on a attaqué ça, on va dire que c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là, merde. Là le critique. Ah merde, c'était pas sur la bonne. On n'a pas trouvé la bonne.
Raté. Raté. Piou. Raté. Oh putain! Mais non! Dire que c'est celle-là. Ouh, ça fait mal ça. Allez. Oui, c'est la bonne. Ça va durer des heures. Ah non, si je me trompe là, ça... Ah non! On est prêt à en attaquer une autre au cas où, hein. Ouais, on va le heal d'abord. Alors, so what? Non, c'est pas bon, ça fait trop de dégâts. Et non. Ça va la heal, c'est pas grave. J'ai complètement oublié que j'avais mis des trucs de feu sur, sur les deux filles. Peut-être pour un boss avant, je me rappelle plus. Hop, 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 hop. Hop, hop. On les a tous essayés là encore, hein. On n'a pas eu de bol, hein, putain. Non, mais fuck! C'est celui-là? Ah, c'était celui-là! Ah, j'ai pensé qu'il le suivrait, mais non, il l'a pas suivi, le bâtard. Il s'est fait brin. Non. C'est toujours pas, hein, toujours pas, hein, putain. Un petit brasier qui part. Ok, LM. C'est pas ça. Oh, je me suis trompé, je l'ai déjà faite, celle-là. Yes! Guérison, chauve les yeux. Non! 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 C'est pas grave. C'est l'occasion de tester le ranimé 2. De toute façon, il peut pas les tuer, les deux du milieu, là. Ah, je suis deg! Ah oui! Ah mais oui! Gros heal, putain. C'est pas ça. Brasier. Full feu. Voilà. Joseph. Va taper là. Toi, tu vas mettre une guérison. 2 sur lui. Ah mais please! Ah mais non, mais j'ai complètement fait de la merde. Ah c'est bon, ça passe, ça passe, ça passe. Hop, est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Putain! Mais... Ah non, trop tard. J'ai été tellement lent, quoi. La lenteur d'un homme. Oh, nice. Alors, ouais, on met le paquet, là. Alors, ça pique ou quoi? Oui, on l'a eu. Voilà, easy! 2000 gold, un niveau, on est bien. Oh, il est vraiment stylé, hein, ce. Faut se rebattre contre lui? Ah non. C'est l'ancienne pierre du soleil, on dirait qu'il n'y a plus une once d'énergie à l'intérieur.
Nous pourrions sûrement la recharger avec la lumière du soleil, mais ça prendrait des siècles. Ça tombe bien, on a une machine à voyager dans le temps! Ça va être rapide, ça, à mon avis, ça va être rapide. Hop, on va aller poser ça à la préhistoire. Et on va revenir direct dans le futur pour la récupérer chargée. Et à mon avis, c'est bien pété comme truc. Ah! C'est là alors le palais. Non, repère reptile. Faudrait un machin avec un repère solaire ou un truc comme ça. Hop, une cave. Genre ça là. Ça ressemble à ça. Oui, repère solaire, voilà. Qu'on avait déjà vu avant. Il ne fait jamais sombre ici. Et c'est la pierre de lune, oui! Bien, retour à époque. Hop, maintenant on se casse en 2300 et normalement ça devrait être bon. Bah tu vas pas bouger d'ailleurs. Non, pas du tout. Oh, le fail. Oh, le fail. Oh, le fail absolu. On peut s'en aller ou pas? Oh, le fail absolu, les mecs. Oh non. Oh, je suis deg. Je vous présente la fin du jeu. Oh non. Oh putain, on va se faire démonter, mon gars! Oh, mais pas du tout! Non, 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 on se casse, mon gars! On se casse! On se casse! Mais oh là là, on a eu tellement de la chance! Oh putain! On se barre! On se barre! Ah, mais on se casse tout de suite! Ah oui, non! Ah non, mais pas du tout! Ah non! Oh, le coup de stress, putain! Putain! Ah, le repère. Ah oui, non! Ah non! Je fais niquer la game, quoi. Ah, elle est plus là! Ah merde, il y a quelqu'un qui nous a chouré la pierre, putain! Vas-y, mais fuck! Bon, bah, on va tester toutes les époques, hein. Non, ça, je pense qu'on s'en bat les couilles. Alors, est-ce qu'elle est encore au Moyen-Âge? Ah, mais le coup de stress, les mecs, j'ai cru qu'on allait voir se taper contre la vase direct. Oh, oh la vache! Bon, alors, est-ce que t'es encore là, le... Ouais, elle est encore là. Il y a un truc, là. Pilule de force, parfait. Hop. On peut pas l'allumer, on peut rien faire avec, mais elle est encore là, en tout cas. On va tout de suite prendre le petit force plus là qu'on vient de ramasser. Voilà, mais j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux là. Je rigole pas. Hein. C'était la catastrophe. Mais si on mourait là, mais alors j'allais être sombre. Le game over. Bien que j'aurais dû tout me retaper. D'ailleurs. Ah là. Comme ça, on n'aura plus de problème. Putain, quel connard. Bon alors c'est pas là qu'on l'a volé. On va aller check toutes les époques. Hein. Alors, est-ce qu'elle est encore là? Ah! Elle n'est pas là non plus. Je me demande si quelqu'un de l'époque ne l'aurait pas prise. Comment on peut savoir du coup? Qu'il aurait prise quelqu'un de l'époque. Va demander au château. Va aller demander au château. Je vole.
château. Château qui est là. Ça, on compte en bas. Il y a plein de trucs nouveaux du coup en bas là. Ah, je crois qu'on était obligé de passer par là. Ah non, il n'y a pas du tout plein de trucs nouveaux. Il n'y a rien de nouveau en fait. Il y a juste la forêt quoi. Il y a un truc qui brille. Hein. Hey, ça brillait chez vous. Pourquoi ça brille? Les enfants nous échappent. C'est si triste. On s'en bat les couilles. Pierre de lune, jamais entendu parler. Oh, toi déjà. Toi, je te crois pas, ton papa aime plus l'argent qu'il ne m'aime moins. Ah, c'est ah, le bâtard. La personne que je déteste le plus, mon père, bien sûr. Ah ouais, donc toi, t'es un gros mytho, toi. C'est toi qui nous a volé la pierre. Tout le monde dit que papa est rad, hein. C'est des mensonges. Non, bah, a priori, je crois que t'as raison. Hein. Je crois que ton papa, en plus, il nous a chouré notre pierre de lune, cet enculé. Les enfants nous échappent, si c'est... Est-ce qu'il faudrait pas changer un truc dans le passé? L'auberge de mes couilles, 20 gold de bas, c'est beaucoup trop cher. C'est fou toi, c'est fou. Le marché, on va voir ce qu'il y a au marché. On en a la balle, on va reprendre des tentes. Voilà. On est large en niveau gold, on est vraiment large. Je suis un peu emmerdé là. Ah, peut-être que si on lui offre du gigot, il est content. Ah, c'est peut-être ça. Comme le roi en fait. On échappe, c'est triste. Tiens, gigot. Merde, c'est pas ça. Bah, on va regarder dans le... si on peut pas modifier un truc dans le passé. Il y a peut-être un truc à modifier dans le passé. Alors, allons regarder. On va prendre époque. Et j'ai pas envie d'aller là. Ah, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Bah, par contre, on vient de claquer 10 000 balles dans un gigot. Je suis un peu déçu. On va se mettre là, ça fera moins de chemin à faire plus tard. Hop. On retourne au Moyen-Âge. Peut-être que ses ancêtres, on peut les rendre sympas ou un truc comme ça. Celui, ça a l'air d'être un gros bâtard. Faut leur dire attention, votre petit-fils, ça va être un gros bâtard. Dans sa maison, là. La maison du chef. Oh, t'es sérieux? Oh, t'es sérieux? Oh, t'es sérieux? Le coup de chat pour 10 000, mais bien sûr. Non, je te le vends ou je te le donne? Je te le donne, même, je m'en bats les couilles. Je ne pensais pas qu'il y avait des personnes aussi gentilles dans ce monde impitoyable. Je peux vous assurer que mes enfants apprendront les vertus du partage. Ah, c'est ça, putain. J'adore ce jeu, putain. J'adore ce jeu, putain. Allez. Allez! Mais c'est ça! Allez, hop! Et donc lui maintenant il est sympa, il va nous rendre la pierre ou il l'aura pas volée ou alors comment ça va se passer? On se pose. Alors. J'aimerais bien que mon mari soit un peu moins généreux. Ah voilà! La personne que j'aime le plus, mon père, bien sûr. J'adore mon père. Ah, tout le monde t'aime. Vous êtes intéressé par cette pierre de lune? Bien, quelqu'un l'a laissée ici. Elle a l'air importante à vos yeux. Pourquoi vous ne la prenez pas? Bon, ben, on va la remettre. Espèce de bâtard, tu nous as fait perdre des siècles, là. Quoi, c'est le bordel. Hop. Hop, le repère solaire, on va remettre la pierre.
Et c'est la pierre de lune, oui! Pardon, excusez-moi. Petit éternuement! Et on retourne au futur. Normalement, là, c'est bon. Putain, j'ai failli retourner à l'apocalypse, hein, putain. Alors, qu'est-ce que ça a fait du coup? Je vais laisser la pierre ici. Incroyable, avec tant d'énergie, je peux faire une arme très puissante. Retournons chez moi maintenant. Go Lucas. Ah super, on n'a même pas fait le voyage. Je vais modifier la pierre de soleil pour extraire son énergie. On va juste la mettre sous vide dans cette cartouche. What? Et c'est fini! Ah, c'est fait un gun! Un super shoot! Nice! Voilà, putain, du stuff pour Lucas en plus. Quelquefois, je m'étonne moi-même. Lol! Regarde ça, Lucas, j'emprunte un peu de la pierre de soleil pour faire quelque chose d'excellent! Un ombre lumine! Putain, mais génial! Et voilà qui conclut la quête, alors on va voir ce qu'on a gagné. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Ombre lumine, augmente attaque. Augmente beaucoup. Par contre, il est où le super shoot? Oh, t'es sérieux? Ah oui. Ah oui. Ah d'accord, ok. On est à choper une arme qui est un tout petit peu pétée. Fais voir un peu ce que ça fait l'ombre. Augmente l'attaque, mais augmente l'attaque comment? Dis juste que ça augmente l'attaque. Bah écoute, on va mettre ça, on va bien voir ce que ça donne. On va bien voir ce que ça donne. Eh bien écoutez, c'est déjà la fin de notre épisode. Putain, ça passe tellement vite. Encore une mission accomplie, encore un boss de défait, encore un nouvel objet magnifique de trouver dans le monde magnifique de Chrono Trigger. Si cela vous plaît toujours autant, bah, n'hésitez pas à vous abonner, continuez à commenter, à liker les vidéos, ça fait toujours plaisir. Moi, en attendant, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Ciao!